Coucou tout le monde, nettoyage de printemps. On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre comment je range et j'organise ma céleri. Ma céleri, c'est une malle Alphaco, le modèle Midi Eco de la marque Cheval Liberté. C'est une malle d'occasion car je favorise énormément la vente et l'achat de seconde main. Étape 1. Pour commencer, je vais vider ma malle et trier les affaires à laver. Étape 2. La malle est vidée, maintenant je vais la nettoyer. Pour ça, je vais prendre des lingettes et passer un coup d'aspirateur dans les tiroirs. Étape 3. Maintenant que la malle est propre, je vais pouvoir ranger les affaires à l'intérieur. Une partie est nettoyée avant la vidéo et le reste, je vais les trier et les nettoyer. J'ai aussi une caisse au-dessus de ma malle où je range des couvertures. Là, j'ai tout vidé, j'ai tout secoué. Maintenant, je vais les replier et les ranger. Petit moment tuto, je vous montre comment je plie mes couvertures pour qu'aucune sangle dépasse et qu'elles soient toutes pliées de la même façon. Je l'ai apprise pendant que j'étais groom. J'ai une seconde caisse que je mets sur ma malle et dedans je mets tous les produits de saison tels que tous les produits anti-mouches. Pour gagner de la place dans ma malle, je vous montre comment je plie les longes de licole. Étape 4. Maintenant que tout est propre, je vais pouvoir réorganiser la malle. La malle se compose de 3 tiroirs, d'un porte-selle et de 6 porte-filets divisés en 2. Dans ce dernier tiroir, je vais mettre toute la pharmacie et les produits de soins. Dans le tiroir juste au-dessus, je vais ranger toutes les protections de travail. Et dans le dernier tiroir, je vais ranger toutes les petites bricoles, ça veut dire des produits pour les cuirs, des petites serviettes durables, les volets de travail et un imperméable. Étape 5, maintenant il n'y a plus qu'à ranger la malle à sa place. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.